ans, on leur dit ça. Ok. Vous avez passé une belle visite? Oui, c'est intéressant. Oui, je suis sûr que c'est le 30e anniversaire. C'est non seulement une belle entreprise, c'est un bel entrepreneur, une belle famille aussi. La famille, non seulement la famille immédiate, mais vraiment la famille. Je ne pouvais pas profiter de votre présence, M. Pillard, pour saluer particulièrement le travail, l'effort, le dévouement, la grande passion de quelqu'un qui nous est très, 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 très cher, comme je vous disais, en tant qu'individu, en tant qu'entrepreneur, en tant que citoyen engagé. Alors, François, c'était très important pour moi de pouvoir saluer l'homme que tu es, l'exemple que tu es dans la présence du Premier ministre. Alors, je voudrais te remettre la médaille de l'Assemblée nationale. Oh. Oh. Médaille de l'Assemblée nationale, qu'est-ce que c'est? Nous, comme élus, on la reçoit à chaque début de législature et c'est un privilège que l'on a également de pouvoir décider d'honorer certaines personnes du comté que l'on représente. Vous allez donc faire partie de l'histoire de l'Assemblée nationale en ayant reçu cette médaille et, si vous permettez, je prendrai la peine de lire ce petit texte. Permettez-moi de vous offrir la médaille de l'Assemblée nationale en guise de votre reconnaissance. De votre rôle actif d'entrepreneur aguerri, de votre participation citoyenne. Vous recevez cet hommage car vous êtes un homme engagé, visionnaire et déterminé. Vous vous investissez dans chacun de vos projets avec cœur et intelligence, avec innovation et souplesse. Depuis toujours, vous êtes animé de cette mission de rassembler pour créer et maintenir une région diversifiée, fertile en possibilités. Depuis plus de 30 ans, que ce soit pour le développement socio-économique de la MRC des Sources ou pour votre entreprise ABS Remorque, toujours vous réfléchissez et agissez selon les valeurs familiales qui vous caractérisent, l'écoute, le respect, la loyauté, compréhension et confiance également, et le tout avec concordance et cohérence. L'investissement personnel dédié à bâtir et à faire croire que votre entreprise vous amène aujourd'hui à en célébrer le 30e anniversaire. Les membres de votre famille sont à l'image du pilier que vous êtes aussi, et l'implication de ces derniers n'est certainement pas étrangère au modèle que vous représentez. Alors, parce que vous êtes une inspiration pour moi, mais aussi pour l'ensemble de notre région, il me fait donc plaisir aujourd'hui de vous remettre cette médaille en guise de remerciement pour votre participation au dynamisme de notre belle communauté. Merci. Parce que je ne m'attendais pas à recevoir cet honneur-là aujourd'hui. Moi, c'est une visite du premier ministre pour l'usine ABS, pour les employés. Jamais je m'attendais à ça. Le secret était bien gardé.